Et bon matin tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est faire en sorte de pouvoir enfin déplacer nos units dans le monde en dehors du mode de combat. Donc, comme ça, on va pouvoir se déplacer dans le monde, ensuite commencer un nouveau combat, puis pouvoir se déplacer sur une grille comme qu'on faisait avant. Pourquoi je me déplace pas sur une grille dans le monde au complet? Ben, c'est parce que le système de navigation d'Unreal, il est beaucoup mieux que celui que j'ai fait, dans le fond. Puis, il est beaucoup plus optimal, il supporte beaucoup mieux plusieurs acteurs qui se déplacent en même temps. Puis, ben, il vient avec Unreal. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Donc, c'est ça. Fait qu'on va utiliser les NavMesh, on va mettre ça dans le monde, on va faire en sorte que notre unit puisse se déplacer dessus. Pour ça, la technique que j'ai décidé d'utiliser, dans le fond, c'est dupliquer la map que j'ai en ce moment, puis supprimer tout ce qui a rapport avec ce qu'on a fait pour l'instant. Donc, dans le fond, la grille, nos units, le player controller, un peu tout, puis tout recréer à neuf. Pourquoi à neuf? C'est juste parce que sinon, ils ont toutes des dépendances ensemble, puis ça marche pas super bien. C'est peut-être pas la façon la plus rapide de faire, mais je trouve que c'est la façon la plus clean un peu de recommencer comme avec un objectif précis. Puis ensuite, on va pouvoir juste réintégrer tout ce qu'on avait fait avant, l'intégrer dans la nouvelle logique. En tout cas, c'est la façon que j'ai décidé de prendre pour le faire. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps que ce que ça serait supposé de faire, supposé prendre dans le fond si on avait tout fait ça directement à partir d'implémenter, à partir de ce qu'on avait déjà. Mais je trouvais que ça compliquait beaucoup les choses pour, dans le fond, pas grand-chose au final. Ça va être juste plus clean si on le fait comme ça, à mon avis. Donc, on va s'y mettre tout de suite. La première étape, dans le fond, c'est que je vais faire, c'est dupliquer la map. Donc, je vais prendre mon pathfinding là-bas aussi, je vais en faire une copie, CTRL-W pour dupliquer. Je vais le nommer World Movement Level, quelque chose comme ça. Juste pour le séparer de l'autre, puis je l'ouvre. Dans le monde, comme j'ai dit, je vais supprimer tout ce qui pourrait causer problème. Donc, dans le fond, la caméra, la grid. Ce que je vais faire, c'est je vais, pour enlever toutes les debug lines qu'il y a là, dans le fond, parce qu'on voit encore des debug lines, puis c'est pas super, je vais ouvrir le BP Unit juste pour accéder à son Construction Script ici, puis je vais juste coller un flush persistant de debug line, comme ça. Puis comme ça, même que je compile, ça va juste enlever toutes les debug lines. C'est tout. Ensuite, ben, je vais juste revert ça parce qu'on ne veut pas faire ça. Donc, je compile, save ça. Retourner dans le monde. Dans le monde, je vais garder mon post-process, ma lumière. Mais je vais supprimer toutes mes lumières, toutes mes units. Mon player start, lui, il va être correct. Je peux le garder. Puis là, je regarde rapidement, y a-t-il des choses que je veux enlever? Non, le reste, c'est des obstacles. Puis les static mesh, ça, c'est correct. Puis la lumière, le post-process, c'est pas de problème avec ça. Donc, parfait. Tout le reste, c'est clean. Il ne devrait pas causer d'erreur de bug. De code. Ah, voilà, on en a. Ça, c'est tout causé par le game mode. Parce que dans le fond, dans le game mode, il spawn des choses au tout début. Donc, pour ça, on va créer un nouveau game mode. Donc, game mode ici. BP game mode underscore new, juste pour le différencier de l'autre. Je vais aussi en profiter pour me créer un pawn. Pas un pawn, désolé. Un player controller. Un character. BP. Underscore character unit new et aussi un player controller. Donc, BP player controller new. Sauvegarder tout ça. Ensuite, aller les attacher ensemble dans le game mode. Donc, dans le game mode à droite, on va juste setter les paramètres par défaut. Donc, player controller class, ça va être notre player controller new. Les autres paramètres sont corrects. Default pawn, ça va être le BP pawn, on va le garder. Parce que lui, il n'y a pas d'indépendance avec le reste. Et le replay, le player character, il va être le player character new. Donc, je vais overrider le game mode dans Blueprint Override en haut, dans la barre d'en haut, pour overrider le game mode. Donc, je vais juste l'overrider pour utiliser le nouveau game mode. Donc, on peut voir que maintenant, il n'y a plus de problème de code quand on fait play. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vieux player controller et mon nouveau player controller. Puis je vais m'assurer que les paramètres par défaut ils soient pareils dans les deux. Parce qu'on peut quand même garder ce qu'on avait déjà fait avant. Donc show mouse cursor, enable les click event et les mouse over event. Donc juste regarder que tout est pareil. Voilà, tout semble pareil. Donc les paramètres par défaut sont gardés. Ensuite, dans l'event graph, je vais supprimer les fonctions qui étaient là par défaut, parce que j'en avais pas besoin pour l'instant, ou au pire, je vais aller juste les recréer ensuite. C'est juste pour commencer avec quelque chose de neuf. Et je vais dupliquer le begin play que j'avais avant.
Donc, ouais, on prend le pan qu'on contrôle, on le casse au BP, puis on le set dans une variable, comme qu'on faisait avant, exactement pareil. Parfait. Ensuite, je vais aussi avoir besoin de mon zoom, parce que je veux garder mon zoom. Donc, je vais dupliquer ça aussi. Bon, Unreal n'a pas aimé la duplication du zoom, donc il faut que je crée la fonction. Je vais juste me créer la fonction de zoom. Zoom comme ça ici, qui va prendre un input de float, qui va s'appeler zoom amount, comme qu'on avait avant. On n'a pas l'air de vouloir, ça c'est parce que je ne l'ai pas compilé, on va voir. Ou c'est peut-être parce que la fonction était déjà là. Ouais, c'est ça. Je pense que le copy, il y a de la misère un peu avec ça. Fait que zoom amount, ok, voilà. Il va fonctionner. Donc, on peut l'attacher ensemble, comme ça ici, comme ça. Et voilà. Donc, souvent, c'est juste mieux de créer directement la fonction, puis ensuite copier à l'intérieur, comme que je fais là en ce moment. Donc, on copie ce qu'on avait avant. On le colle dans le nouveau zoom. Dans le fond, c'est exactement la même fonction qu'on peut garder. Attacher tout ça ensemble. Ouais. J'ai plus besoin de l'autre, donc je vais juste l'enlever rapidement pour me faire un plus gros espace. Donc, attacher tout ça ensemble ici, comme ça, ici. Et ensuite, recréer toutes les variables pour les autres. On peut faire ça en cliquant droit dessus et en faisant Create Variable, tout simplement avec le nom de la variable qu'on veut. Comme ça, ils vont déjà avoir les bons noms et ils vont déjà avoir. Ils vont être créés, puis tout est attaché et tout. Donc, parfait. Je vais juste rattacher ça ici parce que quand j'ai compilé, on vient de l'enlever. Parfait. Donc, ça, c'est le code qui nous reste dans le player controller. Donc, ça va mettre les variables par défaut. Donc, le caméra, zoom speed et tout ça. Donc, je les mets rapidement ici. Vous pouvez récupérer vos variables que vous aviez setées avant. Donc, voilà. Maintenant, quand on fait play, on devrait pouvoir zoomer et dézoomer comme qu'on avait avant. Parfait. On est de retour à ce qu'on avait pour ce qui est du player controller. Ensuite, dans le unit, on va faire semblable qu'on vient de faire avec le player character. Donc, je vais dupliquer les deux cone components que j'avais dans notre BP unit. Et je vais aller le mettre en dessous de la capsule dans notre BP unit new. Comme ça ici. Ensuite, mon capsule component, ce que je vais faire, c'est m'assurer qu'il est pareil à l'autre. Pour ça, je vais juste aller dans les collision presets et le mettre en block all pour ensuite le remettre à custom, juste pour être sûr que par défaut tout est bloqué. Puis ensuite, je vais dire d'ignorer la visibilité, garder la caméra et je vais aussi bloquer le channel unit parce que c'était ça qu'on servait pour nos recasts. De retour dans notre game mode. On va aller dans l'event graph, puis on va tout simplement spawner la unit. Donc pour ça, je vais me faire un cast OBP controller new. Je vais faire un get player controller juste avant pour le input. Ça ici, l'index 0 dans le fond, c'est le premier player, donc ça va être correct. Parce que pour l'instant, on a juste un joueur de toute façon dans le jeu. Et ensuite, je vais le promoter en variable pour avoir une copie du player controller. Ensuite, je vais faire la même chose dans le player controller, mais à l'inverse. Donc, je vais me faire une copie du game mode, ben, une référence du game mode, comme ça on va pouvoir juste tout simplement l'utiliser par la suite. Puis, je vais tout simplement, dans le game mode, je vais, tant qu'à créer la variable du player controller, je vais tout simplement en même temps lui setter le game mode qui va être self, vu qu'on est dans le game mode en ce moment. Donc, maintenant, pour organiser un peu mieux le déroulement du jeu, j'avais pensé de me faire un enum basé sur des états de la game, donc enum game state. Puis à l'intérieur de ça, je vais tout simplement en avoir quelques-uns, dont in menus, pour quand tu es dans les menus, mettons avant que la game commence. Ensuite, ça va être in world, comme ça, ben ça c'est vraiment quand tu es dans le monde. Puis après ça, c'est in combat, comme ça, c'est vraiment quand tu es en combat. Donc ça va différencier vraiment quand tu ouvres le jeu. Quand tu te promènes dans le monde en recherche de nouveaux adversaires ou jaser avec des PNJ, quelque chose comme ça. Et du monde aussi où ce que tu te bats contre d'autres sur une grille comme qu'on a développé avant. Donc je vais tout simplement me faire une référence vers l'enum game state dans le game mode. Puis c'est dans celle-là que je vais setter la variable, justement. Comme ça, tout le monde va aller voir dans le game mode, OK, quel état de jeu nous sommes en ce moment.
Donc, par défaut, je vais le mettre à In-World pour pouvoir tester. Mais ensuite, on va pouvoir switcher plus facilement entre les différents états de jeu pour pouvoir tout simplement mettre les fonctionnalités qu'on veut. Ensuite, dans le Player Controller, je vais me faire un event, un custom event pour, mettons, qui lui passe, lui transmettre l'information que le monde il vient d'être créé. Donc, je vais me faire un petit event qui s'appelle IsInWorld et je vais aller tout simplement l'appeler dans le à partir du Game Mode. Donc, le Game Mode, une fois qu'il va commencer, il va setter le monde à InWorld puis il va le dire au Player Controller. Donc, le Player Controller va être au courant qu'on est dans le monde. Lui, ce qu'il va faire avec ça, c'est dans le fond spawner la unit puis commencer à la contrôler. Donc, je vais tout simplement faire une fonction qui s'appelle Spawn Player InWorld puis je vais lui passer un input. Dans le fond, l'input, ça va être le est-ce que c'est un nouveau player ou est-ce qu'on avait déjà une sauvegarde et tout. Dans le fond, c'est juste pour prévoir dans le futur. Pour l'instant, on ne s'en servira pas. Donc, is new character, pour l'instant, on s'en sert pas. C'est vraiment juste plus tard, on prend un petit peu d'avance pour prévoir que peut-être on voudrait sauvegarder notre partie, ce qui ferait du sens. Puis ensuite, mais qu'on le spawn, on va tout simplement utiliser les vieilles statistiques qu'on avait avant au lieu de le spawner à une place random comme qu'on fait là. OK. Donc, première chose que je vais faire, c'est tout simplement le spawner. Donc, spawn actor from class. Je vais prendre la classe de la unit new qu'on vient de se créer. Et je vais lui dire de tout le temps spawner puis d'ignorer les collisions. Juste pour être sûr qu'elle va spawner. Ensuite, je vais me faire un petit select. Puis c'est dans ce select-là pour le transform que je vais utiliser le isNewCharacter. Dans le cas où c'est un nouveau character, dans le cas où ce n'est pas un nouveau caractère, je vais tout simplement me faire une petite variable locale pour l'instant juste pour simuler qu'on avait une variable de sauvegarder, donc last saved transform, que c'est vraiment juste pour simuler tout à coup qu'on avait quelque chose de sauvegardé. Pour l'instant, elle était à zéro puis on ne mettra aucune valeur. C'est vraiment juste un jour plus tard, mais que on veut s'en servir, on va pouvoir. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma variable pawn, que je n'aimais pas pantoute son nom, donc je vais tout simplement l'appeler player pawn parce que je ne la trouvais pas dans ma recherche, puis c'est pour ça que j'étais perdu. Et ensuite, je vais faire un get, puis je vais tout simplement get son transform, son actor location. Je vais tout simplement l'attacher dans la location, puis c'est ce que je vais utiliser pour spawner ma unit. Donc, je vais spawner ma unit à même endroit où ce que ma caméra allait dans le monde. Pour l'instant, elle est à 0,0,0, mais au moins si je me déplace, ça va être là. Puis c'est aussi ça qu'on veut parce que dans le fond, on veut que notre caméra suive la unit en même temps. Donc, si notre unit, on la spawn trop loin, il va falloir que la caméra se déplace pour se rendre jusque-là, ce qui est pas vraiment ce qu'on veut. Puis ensuite, je vais tout simplement, après le spawn acteur, je vais le sauvegarder dans une variable pour savoir où ce qu'elle est. Bon, là, ma unit, je ne sais pas pourquoi elle ne spawn pas dans le monde, mais ah, elle est là. Elle est supposée d'être là, on est supposé d'avoir une unit dans le monde. Donc, je vais juste eject rapidement, voir pourquoi. On dirait que le player controller est dans le sol. Donc, OK. T'sais, le player controller était dans le mur, donc pour ça que notre unit, on ne la voyait pas, elle est sûrement juste à l'intérieur du mur. Donc on va juste réessayer après avoir déplacé le player controller un petit peu comme ça. Donc on va refaire play. Et voilà. Là, notre unit est là. Mais par contre, elle est spawnée dans les airs parce que notre player start était dans les airs. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le player start sur le sol, mais avant, je vais juste rajouter un petit offset pour être sûr que notre unit ne soit pas dans le sol. Donc l'offset que je vais mettre là en hauteur, c'est le offset de la moitié de la hauteur de la capsule. Pour l'instant, je ne peux pas aller la chercher par une variable, mais on va pouvoir le faire plus tard, mais que ça soit un petit peu mieux fait. Donc voilà, maintenant, oups, j'ai oublié de redescendre le player controller sur le sol, donc le player spawn. Donc là, je le mets là, sur le sol et voilà. Maintenant, notre unit est sur le sol. Par contre, on ne peut pas la déplacer. Donc, c'est là qu'il va falloir faire en sorte que la unit puisse se déplacer. Ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire un nouvel input. Donc, dans les Project Settings, je vais aller dans la catégorie Input. Et je vais me rajouter le left-click et le right-click. Je les avais déjà ajoutés parce que j'avais fait quelques tests avant. Mais faites juste les ajouter, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Mais l'important, c'est que le left mouse button et le right mouse button soient en tant qu'input si vous voulez les utiliser. Parfait. Donc, je retourne dans le Player Controller. Je vais me faire tout simplement un input de left-click comme celui que je viens de créer. Et quand on left-click sur le sol, ben, ou n'importe où dans le fond, je vais tout simplement regarder si le game mode est en mode world. Donc, si on veut
affecter notre, dans le fond, on veut affecter notre unit de déplacement. On veut dire à notre unit de se déplacer seulement quand on est en mode in-world. On ne veut pas dire de se déplacer quand on est dans les menus ou quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà un exemple de à quoi ça peut servir d'avoir plusieurs modes comme ça. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction pour le move player unit que je vais tout simplement appeler lorsque on est dans in-world. Peut-être qu'on va faire autre chose si on est dans les autres états de l'énum, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'in-world, donc on va juste utiliser celle-là. Je vais commencer par me faire un get it result under cursor by channel. Le channel que je vais choisir, c'est le ground, parce que je veux déplacer ma unit sur le ground, et j'ai pas besoin du trace complexe, parce que le trace complexe fait juste utiliser la géométrie au lieu des collisions, mais mes collisions sont bonnes, c'est des cubes de toute façon, donc ça doit être correct. Ensuite, je vais breaker mon itResult. Vous pouvez aussi le splitter juste en faisant clic droit et split, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais prendre mon player unit. Là, par contre, pour transmettre l'information à mon player unit de se déplacer, il faudrait que la unit ait justement un event pour recevoir le message. Donc, je vais me faire un custom event, event move in world. Puis, je vais tout simplement lui passer la position de mon clic. Donc, location. Et ça va être un vecteur. Voilà. Donc là, je vais pouvoir retourner dans mon player controller. Je vais simplement pouvoir appeler le moveInWorld à partir de notre unit, basé sur la location de notre itResult. Et voilà. Et ensuite, on peut retourner dans la unit pour pouvoir coder son comportement. Comme on va utiliser le navigation system d'Unreal avec les navmesh et tout, il va falloir aller mettre ça en place. Donc pour ça, je vais retourner dans notre monde, puis je vais chercher pour nav. Ce qui nous intéresse, c'est le nav mesh bound volume. Ça, dans le fond, c'est juste une zone qu'on va déterminer qui va pouvoir contenir, dans le fond, un nav mesh généré automatiquement par Unreal. Donc pour ça, je vais tout simplement le mettre à 0,0 pour l'instant. Et ensuite, je vais le mettre un petit peu plus haut, juste pour être sûr qu'on ne soit pas dans le sol. Juste pour pas calculer sous le sol pour rien, c'est juste, ça change pas grand chose. Et ensuite, je vais tout simplement mettre une grosseur de 10 000 par 10 000 par 1 000, juste pour pouvoir être à peu près la grosseur de mon terrain. Ensuite, je peux faire Show et faire Show Navigation, ou juste appuyer sur P sur votre clavier, ce qui va montrer le NavMesh. Comme là, on peut voir que ma boîte est un petit peu trop haute, donc je vais tout simplement changer sa grosseur en hauteur, et voilà, il n'y aura pas de problème, ça va juste générer un NavMesh partout sur mon sol. Pour que ça fonctionne, il faut bien sûr qu'il y ait des collisions sur votre plancher. Donc voilà, on a un NavMesh. Ensuite, je vais me créer une nouvelle enum pour la unit state cette fois, un peu dans le même sens que notre game state, dans le fond plusieurs états pour notre unit. Puis je vais avoir quelques états. L'état de base, ça va être idle in world, donc la unit ne bouge pas. La deuxième état, ça va être moving in world, donc la unit bouge. Ensuite, ça va être idle in combat. And je vais aussi mettre attacking in combat, juste pour avoir quelques-uns. Moving in combat aussi. Oui, moving in combat, puis attacking in combat. Comme ça, on a quelques états que la unit peut être, et on peut changer, mettons, les animations basées sur ça, on peut changer tout simplement autre chose, les réactions quand on clique, ou des trucs comme ça. Donc, je vais me garder une référence de cet énum-là dans ma unit. Donc, unit state ici, que je vais tout simplement setter au tout début de mon déplacement. Donc, je vais dire que à partir de maintenant, ma unit est en train de se déplacer dans le monde. Peu importe l'état qui était avant, parce que ça, c'est pas tant important pour l'instant. Et ensuite, je vais utiliser le navigation system d'Unreal pour déplacer la unit. Donc, je vais prendre une référence de self et je vais faire un get AI controller. Dans le fond, vu que c'est un player character, les units viennent avec un AI controller par défaut. Donc, ici, on peut faire un move to location, mais le move to location or actor est meilleur. Donc là, voilà, je vais vous montrer la différence. Il y a un move to location ici et un move location, to location or actor. La différence, c'est qu'il y a des outputs différents dans la move to location or actor. Donc, ça nous permet de savoir c'est quand est-ce que le mouvement est terminé. Je sais pas pourquoi il n'y a pas ça dans l'autre, tu devrais l'avoir, mais je sais pas. Manuel a décidé qu'il ne le mettait pas, donc voilà. Ensuite, pour déterminer notre position, je vais tout simplement ici ajouter la moitié de la hauteur de la capsule dans le Z pour être sûr que notre unit ne veut pas se déplacer dans le sol.
Parce que sinon, ça fonctionnera pas. La unit va dire que justement, son mouvement est incomplet parce qu'elle n'a pas réussi à se rendre. Donc, en ajoutant la moitié de la hauteur de la capsule, on va être sûr que la unit se rende à la position qu'elle veut aller pour vrai. Ensuite, les autres paramètres par défaut sont tous corrects pour l'instant, mais vous pouvez les changer si jamais il y a des choses qui vous intéressent de faire différemment. L'acceptance radius peut être intéressant si jamais vous n'êtes pas sûr si la unit va se rendre complètement à destination. Ensuite, une fois que le mouvement est terminé, je vais juste lui dire de faire un stop movement, juste pour être sûr que la unit arrête, parce que sinon, elle peut aller à tous les autres endroits où ce que vous avez cliqué pendant ce temps. Des fois, le AI controller, il prend comme, il se rappelle des anciens clics que vous avez faits, donc il n'arrête pas tant qu'il n'a pas tout terminé les positions. Et ensuite, je vais tout simplement resetter le enum state de la unit pour lui dire qu'elle est de retour à idle in world. Comme ça, elle a fini son déplacement. Et voilà, ça c'est ce qui fait notre fonction de déplacement. Donc maintenant, si on fait play et on clique, notre unit ne se déplace pas. Ça, c'est parce que dans notre unit, on peut aller voir que. Dans le. Ouais. Ici, dans Pawn, il y a le Autopossess AI. Il possessait seulement quand on le plaçait dans le world, mais là, on peut le mettre à possess, à place in world or spawn. Donc maintenant, même si on spawn la unit après que le jeu soit recommencé, le. Et un contrôleur va s'activer. Donc maintenant, on peut cliquer et déplacer la unit. Bon, on a notre premier problème ici, c'est que la unit ne peut pas monter sur les obstacles parce qu'ils sont trop hauts pour elle. Donc on va retourner dans notre unit et dans le Character Movement Component, on va pouvoir lui setter une hauteur. Donc pour ça, on peut descendre dans notre liste ici et aller dans Character Movement. Il y a une variable pour le max step height. Moi, je mets 100 ici parce que ça fonctionne avec la valeur que j'ai à mes marches. Dans le fond, mes hauteurs de marche sont toutes à 100. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez que la unit saute vraiment haut, vous pouvez mettre une hauteur plus grande si vous voulez. Donc, les autres paramètres sont corrects pour l'instant. Vous pouvez décider la vitesse, vous pouvez décider le temps que ça lui prend à ralentir, accélérer et tout. Donc, on va tester voir si ça fonctionne. Et voilà, ma unit, elle peut se déplacer et monter sur mes marches qui sont de 100 de hauteur ou un petit peu moins. Par contre, si ça ne marche pas, il y a aussi une autre place qu'il faut le changer. Moi, ça se peut que je l'ai changé par défaut. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais dans les Project Settings, il y a dans Navigation Mesh, ici, il y a aussi la variable de Agent Max Step Height, qui est exactement la même chose. Il faut que ce soit dans les deux. Parce que sinon, le système de navigation, il prendra pas. Même si la unit est faite pour se déplacer de 100 de hauteur, ça ne veut pas dire que le système de navigation par défaut y accepte que tu puisses te déplacer à 100 de hauteur. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre dans les deux. Donc là, on peut voir que si mettons on clique en dehors de la zone de la caméra, la unit va se déplacer et on va perdre le visuel sur notre unit. Donc je vais aller faire rapidement qu'on puisse que la caméra suive la unit. Juste pour être sûr qu'on ne la perde pas de vue dans le fond. Donc pour ça, je vais juste me rajouter l'Eventic ici et me créer une nouvelle fonction. La fonction, ça va être caméra. Location ou update camera location, quelque chose comme ça. Et je vais tout simplement l'appeler à chaque frame. C'est pas la façon la plus optimale de faire, mais pour l'instant, ça va être suffisant. Dans cette fonction-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le game mode et je vais tout simplement regarder son game state. Get game state, comme ça ici, que je vais regarder si c'est égal à ou je vais faire un switch dessus pour savoir si. Si on est dans In World, parce qu'on ne veut pas que la caméra se comporte de la même façon en combat, dans les menus ou dans le monde, on ne veut pas que dans les menus, pour aucune raison, la caméra se déplace pour essayer de retrouver une unit qu'elle n'a pas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Player Unit, parce que c'est la unit que je veux suivre, puis je vais prendre sa location, puis je vais la promouvoir dans une variable que je vais appeler Camera Location Desired. Donc, dans le fond, la position qu'on veut avoir au final, à la fin de notre déplacement de caméra. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Player Pawn et je vais faire un Set Actor Location. Dans le fond, c'est lui qui détermine où c'est que notre caméra allait dans le monde. Puis, vu qu'ils sont au même niveau, la unit et le Player Pawn, ben, ils vont se suivre et ça va bien fonctionner. Ensuite, je vais faire un Get Actor Location parce que je veux le repérer entre les deux. Donc, je vais juste faire un perp de vecteur. Entre le vecteur que j'ai en ce moment et le vecteur de desired location. Donc, je vais reprendre mon desired location ici. Puis mon alpha, je pense que je mets 0.2 ou je vais tout simplement le promote en variable pour camera location
lag et tout 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 tout. Je vais le mettre par défaut à 0.02. Et voilà. Donc maintenant, si on va tester notre caméra, et voilà, notre caméra, on peut voir qu'elle se recentre sur notre unit avec un petit délai, juste pour être sûr que ce soit smooth et que ça aille bien. Donc maintenant, même si notre unit se déplace, on peut voir que notre caméra suit. Donc, nous avons enfin un petit système de déplacement dans le monde qui fonctionne indépendamment de notre système de combat et qu'on va pouvoir toggle on and off, dépendant si on est en combat ou pas. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.